Allez, salut tout le monde, petite parenthèse avant d'attaquer la vidéo, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Du coup, tout ce qui devait à la base former l'épisode 30, donc la partie sablage et la partie crépi, ben, j'ai perdu tous les rushs. Donc je sais pas ce qui s'est passé, un bug informatique ou mon ordi qui a planté, en tout cas j'ai plus aucun rush, j'avais fini quasiment 98% du montage, j'étais prêt à vous sortir la vidéo déjà la semaine dernière, et j'ai tout perdu, donc je suis bien blasé, ça me fait vachement chier. Autant pour moi que pour vous, parce que moi ça me fait un souvenir et vous, bah, ça vous permet de suivre le chantier au jour le jour. Donc voilà, je suis bien blasé, j'ai tout perdu. Donc voilà, je le répète assez souvent, mais ceux qui me suivent sur Instagram, du coup, eh ben, auront vu quelques images du sablage et du crépi. Donc venez me suivre, comme ça au moins, dès que je fais des choses intéressantes sur le chantier, je le partage en story ou je fais des petits posts, ça vous permet quand même de suivre le chantier au jour le jour. Donc voilà, je suis encore désolé ben, du coup de ne pas pouvoir vous montrer des images de la partie sablage et crépi, donc tant pis, c'est comme ça. En attendant, là, je vous laisse avec la suite des travaux, donc notamment bah, la pose des murailles pour le solivage, et puis ensuite on enchaîne sur le début de la pose des solives et tout le solivage côté habitation. Allez, c'est parti! Thank you.
didn't mean those things, I'm sorry. Doesn't matter anyway. We've been here one time too many. Wonder what will happen next. We both know that this ship's going down. Let's get off and leave before we drown. There's nothing left for us to say. Promise that nothing would break us, that we'd always find a way. It all was set and dust had settled, something didn't feel the same. We both know that this ship's going down. Let's get up and leave before we drown. There's nothing left for us to say. See through, let's save ourselves the courtesies. Cause we'll see through. We both know how this thing goes. Should I leave or should you? Bon allez, petit speech à mi-parcours du coup du solivage. Donc là, tout ce qu'on vient de poser jusqu'à maintenant, c'est de travel. C'est au-dessus de notre future chambre qui sera là. La salle de bain là-bas et le dressing ici. Donc tout ce qu'on a mis pour le moment, ça sera pas apparent ça plus tard. Dans la chambre, la salle de bain et tout, ce sera plaqué vu de dessous. Donc ça se verra pas. Donc c'est pourquoi on a mis des solives un peu moins hautes que ce qu'il y aura là-bas. Là, ce sera apparent. Là. Du coup, il faut que ce soit joli. Donc du coup, les solives bien alignées.
Pareil, là, je m'embête, mais je fais bien le petit arrondi et tout à la défonceuse. On fait les coupes les plus ajustées possibles pour que ça fasse bien propre. Donc ça fait beaucoup de job, on y passe deux fois plus de temps ici que là, mais bon, au moins ce sera fait une seule fois, vaut mieux passer du temps que ce soit propre. Donc voilà tout, on va continuer maintenant, on va enchaîner petit à petit, et puis c'est parti. Allez, let's go. Allez, je viens de mettre les 4 premières solives du coup de ce côté. Donc ce côté là, je rappelle qu'il sera apparent. Donc j'y mets 2 voire 3 fois plus de temps à les poser parce que j'essaye vraiment de faire de mon mieux, d'être ajusté le mieux possible. Donc de pas avoir de jour, le moins possible. Donc j'y passe bien plus de temps que les autres, mais au moins ça fait vraiment propre. Donc pareil, ce côté, ce sera pas étrisionné. Tant pis, le bois travaillera. Si je voulais pas que ça travaille, j'aurais fait une dalle béton. C'est du bois, ça ira très bien comme ça. Donc voilà, j'ai plus qu'à enchaîner tout le long. Et là, je ne viendrai pas jusqu'au bout parce qu'on aura notre escalier qui va monter ici. Allez, je continue.
Bon allez, voilà, c'est fini pour cette travée du coup. Donc elle, c'était la plus technique à faire, parce qu'on a des solives qui font 3 mètres de long. Et pareil, j'ai fait les entailles du coup de chaque côté, là, les petites entailles. Donc c'est nickel. Donc voilà ce que ça donne de plus près pour la finition. Donc j'essaie de faire les entailles au mieux. Je suis content de moi. Ça va, j'ai même fait le petit arrondi là et là. Donc voilà, ça fait nickel, ça fait bien propre. Et là, je vais pas plus loin parce que c'est la cage d'escalier. Donc là, pour le moment, il y a 1m30, mais on aura 20 cm d'isolant contre le mur. Donc ça nous fera un escalier d'1m10 de large. Ça ira bien comme ça, c'est un quart tournant. Ça nous laissera de la place quand même si on veut monter des meubles ou même des matériaux quand on voudra faire l'étage. Au moins, comme ça, on sera pas emmerdé. Donc là, je vais en profiter qu'il n'y a pas les solives sur la dernière partie pour monter quelques plaques de placo. Comme ça, je pourrai les positionner. Ça nous donnera le rendu final de dessous. Enfin, rendu final sans la peinture. Et puis comme ça, je m'emmerderai tout de suite moins à les monter par là-bas plutôt que par l'escalier. Donc je vais monter quelques plaques. En tout cas, le résultat est vraiment super. Allez, voilà tout pour cette petite vidéo du coup solivage, donc je vais m'arrêter là pour le moment. Donc là, comme on peut voir, il reste encore un trou à boucher, mais je ne le bouge pas pour le moment parce qu'il faut que je soude des pattes métalliques en face, parce qu'on est au même niveau là pour pouvoir poser mes solives dessus. Mais pour le moment, je n'y bouge pas tout de suite parce qu'il nous reste encore pas mal de matériaux à monter en haut. Donc du coup, le solivage va se constituer comme ça. On aura placo sous le dessous, donc là on a juste mis deux plaques pour voir, pour avoir une idée. Et pareil, nos bandes à joints, on les fait tomber au niveau des solives, comme ça on n'a pas de bandes à joints à faire, on est tranquille. Donc le placo, on le pose vraiment dessus, comme ça si le bois travaille, ça le fera papeter. Après, au-dessus du placo, on aura une couche d'isolant phonique. Et encore au-dessus, l'OSB de 22 mm qu'on a monté là déjà. Et encore au-dessus, après on pourra mettre une finition au parquet flottant ou autre chose. Pour le moment, on n'y a pas trop réfléchi. Donc comme je disais, pour le moment, j'ai pas l'isolant phonique. Donc j'attends de l'avoir, après je pourrai tout monter et ensuite boucher le trou. Donc voilà pour le moment pour ce solivage. Franchement, on est vraiment content. Là, on commence vraiment à retrouver l'ancien espace qu'il y avait avant. Et vachement plus solide. Là maintenant, quand on marche, il n'y a plus rien qui bouge, ça fait plus le ressort comme avant avec les anciennes poutres. On est vraiment content. Pareil, vu d'en bas, ça rend super bien les solives apparentes, plus le placo dessous, et qu'encore le placo pour le moment n'est pas peint. Franchement, c'est super beau, ça promet. Donc pareil, le placo, on l'a vraiment posé sur le dessus, on le met pas entre les solives, comme ça, si le bois travaille, eh ben, ça fera pas péter le placo, ce sera vraiment nickel comme ça. Donc là, prochaine étape, ben, on n'a pas notre isolant pour le moment, on l'aura bientôt, mais bon, vu qu'on a une semaine de vide au milieu, je pense qu'on va attaquer de faire la cloison entre le garage et l'habitation de l'autre côté. Comme ça, on perd pas de temps et puis on peut enchaîner au moins. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Tu peux t'abonner à la chaîne pour voir la suite des travaux. Pareil, viens me suivre sur Instagram, comme ça, si mon ordi ben, plante encore, au moins, tu auras vu des images du chantier. Si t'as envie de soutenir la chaîne, eh ben, je te laisse un petit lien affilié chez Outil des Pros. Comme ça, si t'as une petite commande à passer chez eux, tu peux passer par mon lien. Ça te coûtera pas plus cher et moi, ça permet de me soutenir. Donc encore un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!